Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Breach and Clear, pardon. Alors, dans le premier épisode, on avait fait une élimination, pardon, en Afghanistan. Dans la deuxième vidéo, on avait désamorcé des bombes en Turquie. Et dans la troisième vidéo, nous allons délivrer des gens en Chine. Donc c'est parti. Alors là, comme vous pouvez le voir, il vient de se passer quelque chose de très très mais très très mais encore très très et encore je suis loin de très très bizarre. Oui, parce qu'en fait, j'ai deux cons qui sont là. Ils m'ont fait pop deux cons ici et. Et deux cons ici, je crois. C'est bien ça. Donc forcément, ces deux cons là, bah, ils vont bouffer. Cool, en plus ils ont mis mon médecin ici. Got it. Yes, sir. Consider it done. Consider it done. Yes, sir. On it. Mais non, pas dedans. On it. Done. Bon, j'ai envie de dire bonne phase. Les gens sont tombés pile poil ce que je voulais. J'ai l'impression que je me suis un peu fourvoyé. Escape, je crois que c'était pas escape des gens. Je crois que c'était escape. Escape l'équipe en fait. On se retrouve sous le feu ennemi, machin, et faut se barrer du mieux qu'on peut. Done.
Check your corners. Roger. Yes, sir. Got it moving. Consider it done. Roger. Stay sharp. Roger. Done. Stay sharp. Yes, sir. Yes, sir. On it. Yes, sir. Got it. Roger. Got it. Consider it done. On it. On moving. C'est ça. C'est ça, en fait, faut que nous on s'escape d'une situation un peu. Un peu dangereuse. Donc. On va monter la currency. Voilà. Alors. Deuxième. Par contre, ils sont gentils, mais ils me font pop bizarrement et j'aime pas ça. Ok, que tu t'es fait repérer, je suis d'accord. Et là, elle est où la strat? Les mecs, regardez-moi ça. Le gars, il est à côté.
Roger. Yes, sir. Non, mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc? J'espère qu'il va le flinguer direct. Pour me faire prendre dans le dos. Bon, c'est pas. Non. Je suis obligé en fait de venir jusqu'ici. Attendez, on va faire ça. Tac. Et tac. Bon bah regardons le massacre. On se met une belle vue. C'est parti. Bien géré, franchement lui il a bien géré. Les autres ont bouffé mais bien géré. En plus ils ont tué tout le monde. Donc c'est impeccable. La sortie est là-bas. J'ai envie de dire messieurs. Consider it done. Roger. Got it. Consider it done. Roger. On it.
On moving. Got it. Roger. Yes, sir. Done. Ah bah j'espère qu'ils veulent toucher le petit père là. Parce que voilà. Consider it done. Toi, bah pareil, hein, j'espère que tu veux, au bout d'un moment, tu veux le toucher. Ouais. Check the door. Non, apparemment, ça va pas. Donc il va devoir progresser. Voilà. Et maintenant, rentre à sa maison. Done. Bah voilà. Ils ont cartonné mes petits soldats. Ah, nouvelle arme.
Pas mal. Alors, bah lui, on va le mettre... on va lui en mettre dans le leadership. Lui, on va le mettre dans proficiency, voilà. Ah oui, bah donc... currency, c'est pour... on va être un peu dans le currency. Alors. Pardon. Alors, lui est dans la merde déjà. Allez. Ouais, ok. Donc déjà, on va s'occuper de lui parce que lui est dans la merde. Hein. Comme vous pouvez le voir. Alors lui, bah, voilà, forcément. Hein. On it. Lui, il est où? Lui, il est dans... Lui, il est pas trop loin. Yes, sir. Il a pas tiré l'autre. Ah oui, puis merde, lui j'avais pas géré, mais... Il a défoncé deux, lui. Attends. Qu'est-ce que t'as foutu comme connerie, toi? Pourquoi t'as pas tiré? Toi, t'as tiré? Roger. Roger. Yes, sir. Consider it. Consider it done.
On it. Moving. Contact. Consider it done. Got it. On it. Moving. Ah oui, contact là. Roger. Yes, sir. Done. Check your corners. Roger. Moving. Bon, là, c'est vrai que ça va un peu vite. Je suis désolé, franchement, je pensais que on devait sauver des otages. J'ai mal lu. Enfin, en même temps, je suis pas fort en anglais, mais escape. Ouais, c'était peut-être escape. Ah, nouveau pompon, alors. Non, j'ai déjà mis un leadership. Ah bah si, on va faire ça. On va mettre un leadership. Non. Comme ça. Et comme ça. Et toi, tu vas mettre que en visée. Alors. Qu'on voit un peu ce qui se passe. Bah là, comme dirait l'autre, on est dans la merde. C'est même la grosse merde. Consider it done. Ouais. Toi, par contre, je veux pas que t'avances. C'est bon. Got it. Voilà. Got it. C'est bon. C'est bon aussi, j'ai pas dit d'avancer. Consider it done. Roger. Et toi, bah, forcément, tu vas bouffer. Hein. Quoique, je suis couvert comme ça, donc je vais faire comme ça. Garde. Stay sharp. Done. Yes, sir. Yes, sir. Yeah.
tu fais pas de bêtises. On va faire les autres. Parce que là, ça peut se paraître plus urgent. Alors. Got it. C'est lui. Consider it done. Là ça va le faire péter. Got it. Consider it done. Pas grave, ça va changer. Alors, il nous reste deux criminels, donc. Done. Roger. Got it. Done. Check your corners. Got it. On it. Yes, sir. Got it. Consider it done. Consider it done. Roger.
Suppressing fire. Non. Ah ouais, mais c'est lui le médecin. On it. Mais on peut pas lui donner un truc. Non. Consider it done. Done. Yes, sir. Roger. Got it. Consider it done. Consider it done. Roger. Moving. Non, parce qu'il va se guérir lui, en fait. Ah, je peux pas le laisser. Bon, on va tenter. On verra bien, hein. Comme ça au moins je le... Merde. Au moins je le saurai si ça marche. Yes, sir. Ok, ça marche que sur lui. Oh, bah tant pis. Consider it done. Il sera mort au champ de l'air. Ah ouais, non, il a eu des levels quand même. Il est peut-être pas mort. Voilà. Alors, nous sommes encore dans des... Comment on appelle ça? Alors, il est où lui? Il est là. Dans des configurations difficiles, comme vous pouvez le voir. Ouais. Pauvre petit médecin. On it. C'est moi ou on s'est fait défoncer?
Got it. Putain, j'en ai perdu deux. Ah non, je... Ah, il est mort! Si, j'en avais perdu deux. C'est bien ce que je... Done. Check your corners. Bon, bah, il y en a un qui est mort. Got it. Qu'est-ce qu'il fait? Done. Stay sharp. Got it. Stay sharp. Roger. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. Moving. On en a perdu un, fait chier. Consider it done. Oh là là, on est une victime. Kill in action. C'est pas bon. Il était jeune, il... Oh non, c'était un level 15 en plus. Oh là là, c'est un vieux de la vieille.
Bah, c'est ma faute aussi. En même temps, je crois que lui, je l'avais mis sniper ou un truc comme ça. Il était bon, mais voilà. Ben voilà, on a fini. Voilà. Donc forcément, dans la squad, bah, faut récupérer un nouveau. Oh, tant pis, je vais prendre lui. Ah si, c'était mon sniper. Donc Médic en a un, direct action, je sais plus. Intelligence, je sais plus, il était court en plus lui. On va mettre intelligence. Hein. Craig Alexander. Intelligency. Weapon Sergeant. Ok, on avait pas. Ouais, je vais regarder. Marketplace. Non, squad. C'est toi qui a un pompe. Ok. Alors on va te changer ton pompe. Ah si, on peut revendre, c'est cool. Bah, je vais revendre. M4. Voilà. Et je vais acheter. Alors. Je sais plus quel fusil à pompe qu'il avait lui. Tactical pump shotgun. Non, on va lui laisser lui. Et prendre celui-là sûrement. Ah ça c'est cool. Je vais en acheter un ça. Je regarde mon squad. Non, pas les stats. Médic, direct comme ça. Non. Non. Ah ouais, ok. Ah, pourquoi chaque fois je clique là? Inventory. Ok. Thank you.
Bon bah voilà, hein, on va s'arrêter là. Alors désolé, ouais, je vais vérifier encore. Escape plan, ouais c'est ça en fait. Plan d'évasion, ouais bah c'est genre c'est nous, on se barre. C'était pas de la tarte, mais bon voilà. Donc voilà qui est tout pour comment ça s'appelle pour Bridge and Clear. Ouais, il y a que des missions donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ces trois vidéos. Si vous en voulez d'autres, dites-le de Bridge and Clear. Enfin, genre continuer l'émission, continuer les autres pays, mais à chaque fois avec dans un objectif différent. Et puis, je vous dis à ciao sur une prochaine vidéo. À bientôt.